C'est de votre faute, nous avons perdu la bataille. Vous ne savez pas parler aux soldats. Les soldats, ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout. Celui qui dit ça, c'est le dernier des hommes. Parlez, ma fille. Je voulais vous parler pour vos villes, que les Anglais vont assaillir au-delà... Laissons cela. Il est temps de vous reposer, enfin. Je m'en vais commencer la bataille à moi seule. Seigneur, voici l'accusé. Elle ira dans l'enfer. Je requiers expressément avec que le juge la déclare hérétique et mordonnée sans débat, par défaut. Avec les condamnés. Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne. Alors, elle n'a plus besoin de nous. Vous soumettez à l'Église tout ce que vous avez fait ? Mais oui, mon maître, je veux bien, moi ! Tout, sans exception ? Tout, sans exception ! Sans aucune exception ? Sans aucune exception. Jamais on n'a demandé ça à une hérétique ! À condition, bien entendu, qu'on ne parle pas de tout ce que notre sire Dieu m'a dit et commandé pour moi seul. Les hommes sont impies. Les hommes sont cruels. Voleurs. Menteurs. Les hommes sont comme ils sont, mais il faut penser nous à ce qu'il faut que nous soyons. Voulez-vous désavouer les réponses que vous nous avez faites ? Quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps, je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit.